Et Gonzo. Merci. On est quelle semaine ? Quelle diffusion ? La semaine de la Fashion Week. Voilà. La Fashion Geek. Minecraft, vous connaissez ? Impossible que vous soyez passé à côté de ce phénomène de société. Pour la petite histoire, en 2009, le développeur Marcus Persson, alias Notch, a quitté son emploi pour se dédier entièrement au développement de son propre jeu vidéo. Un jeu dans lequel seule votre imagination pose les limites, puisque chacun peut y bâtir ce qu'il souhaite. Minecraft a pris tellement d'ampleur qu'il y a maintenant plus de 22 millions de joueurs à travers la planète. Le jeu n'a eu de cesse d'évoluer avec l'apparition au fil du temps de nouveaux modes comme le mode survie dans lequel vous devrez échapper aux monstres. Pour vous donner le vertige, sachez qu'il se vend environ 9500 exemplaires du jeu par jour. C'est plutôt pas mal. Mais si je vous raconte tout ça, c'est surtout pour vous informer que Minecraft est désormais disponible gratuitement dans sa version classique. Vous n'avez rien besoin de télécharger, juste de vous rendre à l'adresse contenue dans le QR code qui apparaît à l'écran et vous pourrez vous amuser en solo ou en multijoueur avec une version Java mise en ligne par Notch et compatible avec tous les navigateur. Un bon moyen de découvrir ou de faire découvrir Minecraft à votre entourage ou pour les plus accros, d'y jouer pendant vos pauses syndicales. La censure de sites internet est une activité qui se pratique avec talent. C'est en tout cas ce que nous a prouvé la police danoise la semaine dernière en bloquant des milliers de sites parfaitement réglo, parmi lesquels Facebook ou encore Google. À l'origine de ce blocage, une fausse manipulation de la part d'un seul policier qui souhaitait mettre à jour une liste de sites pédopornographiques et qui a passé dans la liste noire plus de 8000 noms de domaines qui n'auraient jamais dû se retrouver là. Pas de chance, deux fournisseurs d'accès du pays ont eu le temps de récupérer cette liste et d'appliquer le blocage avant que la police danoise comprenne son erreur et corrige la boulette. Les internautes danois sont donc restés durant un peu plus de 3 heures avec un internet défaillant, mâchant des steamrolls, l'œil vide devant leur écran. L'affaire est prise très au sérieux et Danemark IT, une association politique du pays, a lancé un appel aux fournisseurs d'accès pour qu'ils cessent de travailler avec le service de police en charge de la censure. D'après eux, ce service chargé du filtrage d'internet fonctionne sans aucun contrôle judiciaire. Autant dire qu'en plus des erreurs humaines, le danger d'abus de censure n'est pas qu'un fantasme dans ce pays. Si vous n'êtes pas mort, cliquez ici. C'est ce que propose Facebook dans une expérimentation réservée pour le moment uniquement aux Japonais. Facebook a mis en place sur son site un bouton I'm safe, ce qui veut dire je vais bien. On comprend facilement pourquoi Facebook a choisi le Japon comme terrain d'expérimentation et l'objectif de la manœuvre est de pouvoir rassurer ses proches en cas de catastrophe, qu'elle soit naturelle, terroriste ou d'origine extraterrestre. Il suffit de vous rendre sur la page fan, enfin la page dédiée à cette catastrophe, et de cliquer sur le bouton en question. Vous pourrez aussi préciser cette information pour le compte d'autres personnes et laisser des messages. L'idée est bonne, mais évidemment, comme pour le célèbre bouton j'aime du monde des bisounours, pas moyen de préciser avec cette fonctionnalité si justement ça ne va pas. Et sinon, ça va vous ? Excellente nouvelle si vous possédez un téléphone sous Android. Un développeur indépendant vient de mettre en ligne une première bêta non officielle du célèbre lecteur multimédia VLC auquel aucun format de compression vidéo ne résiste. Cette version a été compilée pour fonctionner sous Gingerbread et Ice Cream Sandwich. Je l'ai testé et même s'il y a quelques bugs graphiques au niveau des contrôles et que toutes les fonctionnalités comme le support du streaming n'y sont pas, la lecture des films est fiable et parfaitement fluide. N'hésitez pas à la télécharger en flashant le QR code qui apparaît sur votre écran, en attendant la version officielle qui devrait, je l'espère, sortir très bientôt. Et pour finir, pas de fail cette semaine, mais un jeu qui cartonne sur la toile et qui s'appelle Mario, avec un 0 à la place du O. Le concept est très simple. Il s'agit d'une version de Mario, tout ce qu'il y a de plus classique, dans laquelle le célèbre plombier est équipé d'un fusil à portail, comme dans l'autre célèbre jeu, Portal. À vous de créer vos portails pour esquiver les monstres et aller sauver votre princesse chérie. Ce mashup open source est disponible sous Windows, Linux et Mac et propose même un éditeur de niveau et d'autres petites surprises que je vous laisse découvrir.
C'était Edilia, merci d'avoir suivi ce 10e épisode de Webspotting avec nous. Vous pouvez continuer à suivre l'actualité de l'émission via nos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. Au revoir. Salut. On s'appelle. On se tweet.